Voilà, avec le micro, ça ira mieux. Bonjour à tous et rebonjour à certains, Maridor, Lionel, Petit Surfeur. Et bienvenue pour ce 63e stream de la trompette et surtout qui va être le lancement donc, de ce défi Arban. Défi Arban, c'est-à-dire que tout simplement, on va faire l'intégralité de la méthode Arban. Alors, pas en une fois, évidemment, c'est très long. Et pour suivre ce défi, voilà, on va utiliser ce petit tableau que je vais remplir au fur et à mesure. Donc, en fait, tout simplement, je vais écrire les exercices qu'on fait au fur et à mesure. Et puis, on va essayer comme ça de garder... Oula, attendez, je vais vous retailler la fenêtre. À la bonne dimension, voilà... Et donc, je vais écrire au fur et à mesure les exercices qu'on aura fait. Voilà, pour qu'on puisse suivre un peu où on en est dans ce petit défi Arban. Donc, on va aller chercher la partition, l'édition que je vais utiliser pour ce défi et l'édition originale de la grande méthode complète de cornet à piston de Jean-Baptiste Arban que vous trouvez sur Gallica. C'est la première édition déposée à la Bibliothèque nationale de France en 1856. Donc... C'est parti. Vous pouvez prendre votre trompette et on va faire l'exercice 1. Donc c'est l'exercice que j'appelle le début. Voilà, donc je vais noter que on fait... Hop là, faut que je m'y retrouve dans mes onglets. On va faire le 1, page 11 aujourd'hui. Donc ça va servir de chauffe à ceux qui n'ont pas encore joué dans la journée. On va le faire lentement. 60 à la noire. Donc je vais mettre le métronome. Et on va faire en fait un exercice de chaque catégorie. Hop, voilà. On va faire un exercice de chaque catégorie parce que c'est une grande, grande, grande méthode assez longue. Donc pour qu'on ait le temps de tout faire et d'être exhaustif. Donc c'est parti. Attends, il faut que je monte le volume de mon téléphone et c'est parti. Donc vous voyez, Arban, ces exercices de début, on les fait quasiment jamais. Et en fait, ils commencent sur deux choses très importantes, qui est la précision de l'attaque. Là encore, elles n'étaient pas toutes irréprochables, celles que j'ai faites. Donc la précision de l'attaque et surtout un son long derrière. Donc pour bien tenir le son, tout simplement. Alors, la catégorie suivante, donc vous voyez, il y en aura plusieurs, etc. Ça va se décliner un peu en exercices de gamme. Il y en a une cinquantaine, je crois, de mémoire. Qu'on va appeler les exercices du début. Voilà, le fameux 46 page 20 et tout ça, on fera tout ça. Hein. Et donc là, on va passer à la section suivante, c'est les syncopes, page 23. Hein, je fais exprès de faire un peu dans l'ordre de logique des chapitres qui portent un peu des noms, même si on pourrait faire un autre découpage, hein, mais je prends le découpage qu'a fait Jean-Baptiste Arban, donc avec les chapitres indiqués. On pourrait y voir des sous-chapitres hein, également, mais il ne l'a pas fait.
Donc, on va essayer de respecter ce qui est écrit. Alors. Et je prends des tempi qui me paraissent à peu près corrects. Donc là, on va le faire à 80. Comme vous le voyez, il demande de faire piquer les noirs et un chevron sur la blanche ou sur la syncope. Donc le rythme central de la syncope. Et on va le refaire plus vite maintenant. Donc bienvenue Brême Expérience. Donc là c'est un stream particulier qui va être en fait le défi Arban. On va jouer l'intégralité de la méthode Arban jour après jour. Ce sera pas forcément tous les jours, ce sera pas toujours aux mêmes horaires, c'est en fonction de quand je pourrai par rapport aux cours que je donne, etc. de mon état de fatigue en fin de journée. Mais en tout cas j'annoncerai sur Facebook. Sur ma page Facebook, quand on fera ces streams Défi Arban. Et sinon, vous pouvez suivre la chaîne. Ah non, pas d'un seul coup, c'est trop long, tu rigoles, ça prendrait 48 heures en continu. Et vous pouvez donc suivre la chaîne et vous abonner aux alertes, comme ça vous serez au courant de quand je passe en live pour faire ça. Donc, on va refaire cet exercice sur les syncopes. Et donc, on va faire en fait un exercice de chaque catégorie selon la classification qu'a fait un peu Arban dans sa méthode. Voilà, il y aurait d'autres façons de faire, hein. On pourrait découper des sous-catégories comme j'ai dit, mais j'ai choisi de faire comme ça. Et donc tu vois, on va inscrire ici tous les exercices qu'on fait au fur et à mesure pour rien oublier, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des exercices encore dans Arban que je ne connaissais pas. Donc c'est tellement grand. Évidemment, là, les premiers, on va commencer par des choses qu'on connaît, hein, mais c'est pas grave, ça fait du bien de revoir les fondamentaux. Ah oui, tu les as jamais fait, bah tu vois, on va le refaire à 120 celui-là. En fait, cette façon de travailler Arban comme ça, un exercice de chaque catégorie, c'est ce qu'on faisait. Donc, ravi que vous les ayez jamais fait, parce que c'est l'occasion de les découvrir. C'est ce qu'on faisait chez Bruno Nouvion. En fait, tous les lundis, on avait cours avec lui au Conservatoire du 10e. Et donc, on faisait une méthode, type Spalding, Maggio, etc. Et Arban. Et on faisait vraiment un exercice de chaque catégorie quasiment. Donc, vous voyez, en fait, dans la catégorie syncope, après, là, il marque une sorte de sous-chapitre quand même, Arban. Exercice pour exercer la langue sur les valeurs de croche pointée suivie de double croche. Donc, je vais renommer d'ailleurs, je vais mettre valeur pointée et double croche. Et je fais n'importe quoi. Hop! Et nous allons donc faire le 13, page 26.
Voilà, le 13, page 26. J'essaie de vous mettre le plus grand. Il y a la partition sur Gallica, hein, si c'est pas lisible. J'ai l'édition bleue en plusieurs langues ici. C'est massif à assommer quiconque. L'édition bleue, je la connais pas. Je connais l'édition rouge américaine, qui est plein de fautes d'ailleurs. Et l'édition bleue, je la connais pas. Est-ce que c'était l'édition, la collection Maurice André là en trois volumes? Voilà. Et sinon, bah, tu peux trouver la partition sur Gallica. Moi, c'est la version de référence que j'utilise, c'est-à-dire que c'est la vraie, la première version qu'a fait Jean-Baptiste Arban et qu'il a déposée à la Bibliothèque impériale à l'époque et qui est maintenant la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Donc, tempo de marche. Pam, 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 120. Pourquoi la partition était mal réglée ici, donc je vais vous la mettre mieux. Je vais vous remettre la partition correctement. Alors, deux choses importantes. Le fait de travailler cet exercice, ça sert à travailler ce qu'on appelle le rebond de la langue, c'est-à-dire le... Donc la conséquence de la double croche et de la croche pointée, où il faut travailler le rebond de la langue. Et il faut, c'est pour ça que je me reprends parce que j'avais tendance à jouer déjà trop court. Yap, papap, papap, il faut faire pam, papam, 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 faut pas écourter la croche pointée. Contrairement à ce que je faisais, donc je vais recommencer. Parce que sinon, ça veut dire qu'on crispe dans la gorge un peu. Alors celui-là, on l'a travaillé avec Nouvion, et puis qui nous faisait tac 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 pam pour pas faire des triolets tac 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 tac. Donc faut bien jouer des doubles croches serrées à leur place, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1. Donc au bon endroit. Hein? Alors, donc double croche et croche pointée, donc on va les mettre dans le même paquet comme fait Jean-Baptiste Arban. Ils sont très bien ces exercices, d'ailleurs très progressifs. Donc vous voyez évidemment là aujourd'hui on commence sur des choses faciles et puis jour après jour. Très progressivement, les choses vont se développer. Voilà, toujours à peu près sur une cinquantaine de sessions. Hein. Donc, étude sur le coulé. Cette partie de la méthode est sans contredit une des plus importantes aussi. Lui ai-je donné un grand développement, surtout dans les exercices qui se font spécialement par le mouvement des lèvres, c'est-à-dire sans avoir recours à l'addition ou à la substitution d'un piston. On devra suivre exactement les doigtés indiqués, quoique étant inusité. C'est à dessein, en effet, que j'ai eu recours à ces doigtés, non plus pour en conseiller l'usage dans l'exécution habituelle, mais afin de donner à ce genre d'exercice une difficulté qui doit être absolument surmontée, autrement dit, en obligeant les lèvres à se mouvoir sans avoir recours à l'emploi des pistons. Alors, moi je les ai en deux versions avec des accents et des accompagnements. Ah, Carl Fischer, d'accord. Ah là là, ouais. C'est terrible, l'édition Fischer, en effet, ouais. Bah écoutez, comme ça vous voyez la vraie version hein, à l'écran, la vraie entre guillemets, c'est celle qu'a écrit Jean-Baptiste Arban. Alors après, ça a été remanié autant qu'on veut, hein, c'est dans le domaine public. Vous pouvez faire votre version d'Arban si vous voulez, hein, rien ne vous empêche. Mais en tout cas, voilà, on lit un peu ce qu'il explique. Ce travail est du reste analogue à celui auquel se livrent les chanteurs quand ils étudient le mouvement de la glotte pour arriver à en faire le tri. Bah c'est pour ça que je lis le texte, parce qu'on ne le lit jamais, c'est intéressant de comprendre un peu la démarche qu'il y a derrière. L'intervalle le plus facile à couler est l'intervalle de seconde mineure, évidemment. L'intervalle de seconde majeure est un peu plus difficile car il faut déjà un certain mouvement des lèvres pour l'obtenir. Voilà, l'intervalle de tierce est le plus difficile car il se trouve souvent sur des degrés où il devient impossible d'avoir recours au piston pour aider à porter le son de la note basse à la note haute.
Je conseille donc de travailler assidûment ce genre d'exercice, il devient la source d'une exécution facile et brillante. On obtient par lui une grande souplesse des lèvres, surtout quand on peut arriver jusqu'à l'exécution du trille. Ça, c'est très important. Ah, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, ça a sauté peut-être, Lionel. Ça a sauté peut-être pour toi. Tu peux recharger la page. Ça dépend de vos débits. Je sais qu'en fin d'après-midi, c'est pas facile. Le tri au moyen de lèvres n'est bon que pour les intervalles où les harmoniques sont à distance 2 secondes. Et en effet, pour le tri sol-la, qui est très embêtant, c'est très pratique. Comme dans l'exercice 23, et surtout en suivant les doigtés indiqués, autrement on ferait des trilles de tierces qui seraient aussi désagréables que mauvais. Je ne donne donc ces exercices que comme étude et n'engage aucunement les élèves à s'en servir dans la pratique, ainsi que le font certains cornistes qui veulent appliquer au cornet à piston un système qui n'a aucune raison d'être, puisque c'est un instrument des plus parfaits et des plus complets, qui répudie plutôt qu'il n'exige des procédés factices, dont l'effet paraîtra toujours détestable aux gens de goût. Eh ben dis donc, les cornistes y prennent cher là. Je vous mets la chaîne de Louis, il va apprécier. Je dois signaler encore à ce propos un vice intolérable que semblent affectionner les adeptes de cette école par le mouvement des lèvres. Je veux parler de la manière dont ils font le groupetto. Pour exécuter cet ornement sur le cornet à piston, il suffit de remuer régulièrement les doigts et chaque note sort avec une justesse et une pureté irréprochables. De quel droit alors certains artistes remplacent-ils par une tierce supérieure l'appoggiature qui doit être à distance de secondes? Donc pourquoi exécutent-ils au lieu de faire, qui est la seule manière convenable, et cela sur tous les degrés de la gamme, parce que ces messieurs trouvent plus commode de recourir à un simple mouvement des lèvres, qui les dispense de remuer les doigts, comme si ce n'était pas plus naturel de faire sortir les vraies notes en employant le piston. C'est ça. C'est savoureux le ton, hein, on dirait du Berlioz. Dans cette voie, quelques-uns vont plus loin encore et n'hésitent pas à exécuter des successions de triolets par le mouvement des lèvres au lieu de recourir au piston. Par exemple, une étude de M. Gallet, on doit exécuter ainsi en employant les pistons. Donc, au lieu d'employer le jeu des lèvres, bonjour Thierry, qui donnerait l'exécrable effet suivant. On fait l'intégrale de la méthode Arban. Donc on lit un peu ce qu'il nous dit là aujourd'hui, évidemment. Je n'ai pas besoin d'insister davantage pour faire voir que de pareils escamotages n'ont aucune raison d'être sur le cornet à piston. Et si j'en fais mention ici, ce n'est que pour mettre l'élève en garde contre un système malheureusement trop répandu dans l'armée. Ils prennent cher les militaires aussi. Les 15 premiers numéros de cette partie ont uniquement pour objet d'apprendre à porter le son. Il faut arriver à ce résultat, enfler un peu la note grave et au moment où elle arrive, à l'apogée de sa force, la porter sur la note haute par le moyen d'une légère pression de l'embouchure sur les lèvres. Alors ça, je suis pas d'accord. Mais il y a plein de choses qu'il dit au début aussi, qu'il faut respirer en gonflant la poitrine, tout ça. Bon, ça a vieilli, hein. Arrive ensuite le travail de l'intervalle de tierce qui s'obtient par la tension des muscles et aussi par la pression de l'embouchure sur les lèvres. Pareil, je suis en désaccord. Faites parler chaque note avec beaucoup d'égalité en les liant bien entre elles et en suivant les rythmes et les doigtés indiqués. Toutes les études à partir du 16 jusqu'au 69 sont uniquement composées pour apprendre à porter avec facilité les intervalles de tierces, afin d'arriver à passer avec élégance les petites notes portées ainsi que les doubles appoggiatures dont j'ai déjà fait quelques exemples à cette série d'études, mais qui plus tard seront traitées à fond à l'article des notes d'agrément. Ces deux agréments ne s'obtiennent que par le mouvement des lèvres, j'ai cru devoir ici en donner quelques applications. Donc c'est parti, étude sur le coulé, on va faire la première étude sur le coulé. Hop, que voici. Oui, exactement Thierry, c'était à l'époque, et il y a des choses qu'il dit, même techniquement, qui sont infirmées par les connaissances scientifiques et pédagogiques maintenant, évidemment. Mais c'était tout à fait louable à son époque d'écrire déjà, de vouloir fixer une méthode de cornet à piston. Quand on lit Pichereau ou ses élèves, bah exactement, il y a eu plein d'autres, bah évidemment, il y a la méthode Pichereau, il y a eu d'autres méthodes, c'est pas vraiment une méthode, mais voilà, il y a eu la recherche qu'a fait M. Pichereau, notamment. Mais en tout cas, voilà, les choses ont évolué, mais il faut savoir que cette méthode du conservatoire ont été écrites comme on avait écrit l'encyclopédie, en fait, hein, les professeurs de conservatoire, lorsqu'on a créé l'établissement, avaient pour mission d'écrire la première méthode
pour l'instrument et donc de fixer le savoir de cette époque, donc 2856 pour Armand, le savoir de cette époque dans un cahier. Donc évidemment, après, les choses évoluent depuis. C'est le ton où il se répugne de tout ce qui n'est pas son idée qui étonne. Ah mais oui, c'est, bah, c'est savoureux, hein, c'est de l'époque, hein, évidemment, il faut remettre ça dans son contexte, mais je le lis parce que c'est amusant de voir comment, et heureusement, le monde a changé en 250 ans. Alors. C'est de trouver un tempo un peu naturel. 92. Voilà un exercice que je n'avais jamais fait. Alors, on pourrait le faire aussi en bend, d'ailleurs, avec les connaissances actuelles, hein, c'est-à-dire comme ça. Hein, Fabien, qui adore le bend, hop. Ce serait une bonne manière de le travailler. Alors, je vais rajouter qu'on a fait donc le 1 page 39 dans les études du coulé. Hop, comme ça, on avance au fur et à mesure. J'attends que ça s'affiche pour vous. C'est bon. Hop. Je ne suis pas un grand adepte du bend, d'ailleurs tu l'entends, c'est pas formidable. Non mais après, c'est pour montrer que en fait, son idée de départ... Ah bah oui, j'essaye d'être organisé parce que sinon on va forcément louper et j'ai vraiment pas envie. Cet exercice là que je viens de faire, je l'avais jamais fait, hein, pour être clair. Donc il y en a plein qu'on zappe dans Arban. Et puis c'est intéressant quand même, on se traîne ces cahiers là, ces espèces de bibles de la trompette pendant toute notre scolarité. Et on se rend compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Donc là, c'est les gammes et tout ça, mais tout ça, c'est dans le coulé, dans ce qu'il appelle le coulé. Hein. Donc je ne crée pas une nouvelle catégorie. Et on les fera en leur temps. Les appoggiatures, pareil, il ne met pas de chapitre sur ça. La fameuse page 56. Et les gammes majeures. L'étude des gammes a toujours été fort négligée dans les ouvrages du genre de celui-ci, et on se contente généralement de donner quelques exemples. Ça ressent les notes car elles sont inattendues dans le coulé, là, c'est bien, en effet. En laissant à l'élève le soin de trouver dans son propre fond ce qui manque à la méthode. Qu'en résulte-t-il? C'est que fort peu d'artistes savent faire une gamme correctement. Enfin non, c'est pas vrai, mais ce qui manque, c'est que souvent on écrit la gamme de Do majeur, puis on écrit etc, mais du coup on travaille jamais les autres gammes. Il y a pourtant urgence à travailler les gammes avec assiduité. Aussi, comprenant toute l'importance de ce genre d'études, j'ai traité cette partie très longuement et dans tous les tons. On obtient par ce travail une parfaite égalité de son ainsi qu'un jeu lié et correct. La gamme mineure étant par sa nature moins riche que la gamme majeure, j'en ai donné seulement des exemples sur la tonique et la dominante, afin d'en connaître les ressources. Et ensuite, la gamme chromatique étant des plus essentielles, je lui ai donné un grand développement, surtout dans les variations 19e, où il y avait beaucoup de petits effets comme ça. Lorsque j'ai appris la trompette en 1974 dans une école de musique du sud du Luberon, j'ai débuté directement sur la méthode Arban. Bah écoute, moi je l'ai fait acheter en effet à la fin de la première année de trompette. Je fais une année d'initiation, enfin donc à la première année de premier cycle on passe dans Arban. Il y a déjà des exercices qu'on peut faire dans Arban en première année de trompette. Donc je fais une initiation avec d'autres trucs et puis première année Arban, direct en effet. Parce qu'il y a des exercices très simples, en fait, normalement. Même en initiation, je leur fais faire les premières gammes chromatiques, justement. Ils s'en sortent très bien.
On obtient par ce genre d'étude un doigté facile. Il faut avoir soin de bien enfoncer les pistons afin que toutes les notes sortent avec plénitude. Il faut travailler d'abord lentement, faisant bien entendre les rythmes indiqués dans cette gamme. Il savait pas écrire rythme, hein, il met des H partout. Dans cette gamme, comme dans les gammes diatoniques, il faut enfler le son en montant et le diminuer en descendant. On doit surtout jouer bien en mesure sans accélérer la fin de chaque période, comme beaucoup d'artistes ont l'habitude de le faire. Je conseille donc l'emploi de l'iPhone, non, l'emploi du métronome pour arriver à cette exactitude qui fait la beauté de l'exécution. Ce qui est la différence entre de la technique et de l'esbrouf. J'utilise quoi alors au conservatoire à Toulouse, on est sur la méthode Ovay. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Et puis après, je leur fais acheter le petit trompettorama à la Café Gérard Boulanger en milieu d'année d'initiation. Comme ça, ils ont des petits morceaux avec CD une fois qu'on a posé les bases. Et puis j'écris beaucoup de choses moi-même en fait. Et moi j'avais commencé avec Colmar avec la méthode Mitchell qu'il aimait beaucoup, américaine. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas la méthode, il y a la méthode qui vous convient en tant que professeur et qui convient à l'élève en fait. Donc faut pas avoir de religion là-dessus. Et après, bah, il se trouve que quand même la méthode Arban, elle est très complète, il y a une solution pour chaque problème quasiment. Donc c'est pour ça qu'on l'emploie autant. Alors, la première gamme de Do majeur, c'est donc le 1 page, j'arrive pas à lire parce que les numéros sont effacés. 1 page 59. Donc, on va retourner dans notre petit défi Arban et on fait le 1 page 59 aujourd'hui. Hop. On travaille. Ouais, c'est ça. Le souffle, bah ouais, moi je fais la pose du son, la respiration, je parle beaucoup, respiration, respiration, respiration. Avoir un son très beau tout de suite. Je veux pas qu'ils aient un son crispé. Souvent les petits, on les voit jouer des trucs comme ça, très crispé, très désagréable, et il n'y a pas un pet d'air. Donc moi j'insiste beaucoup pour qu'ils aient un beau son tout de suite. Et une fois qu'on pose bien les bases, et avec une belle respiration diaphragmatique, après ils ont la tessiture tout de suite. Généralement, au bout d'un an, ils ont quasiment le contrut. Ouais, c'est ça. Bon, après, moi j'ai commencé la trompette à 14 ans, j'avais mon prix de solfège, donc je me suis bouffé de la technique directe. Mais c'est un peu gamme, 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 la méthode Mitchell, hein, en effet. Fabrice Dumini, je connais pas. Ouais, exactement, Brême Expérience. Donc, du coup, beaucoup de travail sur le son, sur la respiration. Et dès que l'air est bien mis en route, on se rend compte qu'après, bah, ils ont la tessiture, ils ont un beau son. Et la posture aussi, je travaille beaucoup sur la posture avec les petits. Parce qu'ils vont être comme ça. Surtout, nous, on les fait démarrer à la trompette directe. Donc. Voilà, qu'ils tiennent bien la trompette droite, etc., qu'ils appuient pas les bras, qu'ils lèvent pas les épaules. Donc, beaucoup de travail postural, beaucoup de travail de respiration sur mon année d'initiation, c'est ça que je fais. Allez, la première gamme de Do majeur, à 120. Pas trop sec. Écoles à Toulouse, non, on commence pas au cornet à piston, c'est comme ça, on les commence pas trop petits non plus. Hein. J'ai pas de religion en la matière, j'ai simplement remarqué que souvent quand on les démarre au cornet, le passage à la trompette peut être un peu raide parce qu'ils commencent sur un instrument facile. Après, évidemment, si l'élève est trop petit en taille, s'ils ont 5-6 ans, ce qui est pas le cas, on les prend pas à cet âge là, hein. c'est 8 ans minimum à Toulouse. Donc quand ils sont trop petits en taille, évidemment il faut passer au cornet parce qu'ils sont comme ça avec la trompette, c'est pas possible, et puis c'est trop lourd et trop grand, mais surtout trop grand, voilà. Mais à partir de 8 ans, 9 ans, on peut commencer à la trompette. Franchement, je trouve que c'est pas plus dur, et puis c'est un instrument qui a quand même plus de résistance, et du coup voilà, ça marche mieux. Les appareils dentaires, eh ben, je les interdis. Non, blague à part, je dis aux parents, au tout départ, quand ils commencent, il faudra faire le choix entre de la chirurgie esthétique, parce que 99% des appareils dentaires, c'est de la chirurgie esthétique, ils n'ont pas de problème médical, et faire de la trompette. Donc, généralement, ils se démotivent et ils arrêtent de toute façon d'expérience. Tous les élèves que j'ai eu avec un appareil, ils ne peuvent plus jouer, ils ont mal, c'est une torture insupportable.
Donc, je leur dis, il y a des appareils de nuit, il y a des appareils derrière les dents, il y a de l'ostéo, il y a plein de solutions pour régler éventuellement des dents tordues. Alors, sauf si vraiment les dents sont comme ça et qu'il y a un vrai problème médical, mais généralement, c'est des enfants qui ont des dents parfaitement lisses et qui vont se taper 5 ans d'appareils. Donc, dès l'année d'initiation, je préviens les parents en disant, quand ça va être l'adolescence, il faudra faire le choix entre, si vous voulez faire de la trompette, bah, réfléchissez bien à mettre des bagues devant les dents, quoi. Hutte uniquement lorsque tu es rentré en fin d'études. Ah ouais, et la hutte, je la démarre en début de deuxième cycle aussi, parce que souvent on remarque, comme en fin de deuxième cycle, ils doivent jouer deux morceaux en si bémol et un morceau en ut. Le morceau en ut, ils sont tous raides, c'est faux, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise dessus. Donc pour pallier ça, je les fais démarrer, on fait de la hutte aussi dès le début du deuxième cycle, comme ça ils ont 3 ans, puisqu'on fait des cycles de 3 ans chez nous à Toulouse, pour s'habituer à l'instrument. Parce que si c'est vraiment un autre instrument, il suffit pas de se mettre une trompette en ut et c'est parti. Voilà, même en troisième cycle, on sent qu'ils sont pas à l'aise dessus après. Voilà. Les gammes mineures. Donc, c'est une interview pédagogique, c'est super. On parle de pédago, j'adore ça. 70, page 75. Donc, hop. J'écris, on va faire évidemment la mineure, c'est le relatif. Je sens que la catégorie gamme mineure, on va la terminer plus vite parce qu'elle est moins riche que la catégorie gamme majeure. Hop. Gros problème, la dentition concernant, je ne prends pas les débuts. Ah oui, évidemment, moi je ne les commence pas avant le CE1 parce que sinon ils n'ont pas leurs incisives définitives, ça c'est sûr. En effet, et ça c'est ultra démotivant, pareil, ils doivent arrêter 6 mois le temps que ça repousse, ça marche pas. Ça sert à rien de commencer trop tôt, la trompette, hein, Maurice André a commencé à 14 ans, ça a bien tourné. Alors, on va être honnête, j'ai jamais travaillé les gammes mineures dans Arban, donc je vais faire moins vite parce que c'est pas beau. Oui, enfin, je me compare pas à Maurice André encore Marie d'or, mais en effet, j'ai commencé à 14 ans. Gammes mineures, déjà on les travaille souvent moins, et puis je les ai jamais travaillées dans Arban, je les ai travaillées dans d'autres trucs, donc je connais pas les formules. Alors voilà, ça, gamme chromatique, je fais travailler cette gamme chromatique, je la découpe et j'ai fait une petite feuille pour les élèves d'initiation. On travaille cette gamme chromatique. Et alors au début on fait Do, quand ils sont vraiment à l'aise avec Do, et ben je leur fais la gamme de Mi, puis la gamme de Sol, etc. Ascendant, descendant, ils arrivent très bien. Et c'est ça que j'utilise pour faire la première approche des gammes chromatiques avec les petits. Donc c'est la 1, page 76. Vous voyez, mais qu'une seule page de gamme mineure, donc il y a des choses qui sont pas ultra complètes toujours hein, dans la méthode Arban. C'est pour ça aussi que c'est pas la méthode de référence pour travailler les gammes mineures, évidemment. Alors les gammes chromatiques, allez, on va se mettre un petit 120 quand même. C'est comme moi, je joue la même embouchure qu'Arturo Sandoval, mais c'est ça. Le point commun avec Maurice André, j'en ai peut-être deux, c'est qu'on a commencé à 14 ans et qu'on fait de la trompette. Mais à part ça, c'est peut-être la seule comparaison. Et faut rester modeste, hein. Allez, le jour où quelqu'un jouera mieux que Maurice André et qui pourra le dire et le démontrer, et ben on verra, on écoutera. Oui, c'était majeur mineur. Je crois que c'était Plog justement qui faisait ça. Et c'était bien. Bon, là on est dans la méthode Arban déjà. Hein. On fait l'intégrale d'Arban aujourd'hui. Hein. Allez, gamme chromatique.
Pas que je lâche le masque. Donc j'essaye dans tous ces travaux de gamme d'avoir de jouer assez fort, d'avoir un son très homogène puisque c'est ça qu'il demande donc hein, l'homogénéité de l'attaque ou du son et du son. Voilà, donc là vous voyez on a tous les exercices de gamme chromatique et il y en a beaucoup. Et ensuite on a une autre catégorie qu'il fait, c'est la catégorie des triolets chromatiques. Donc on va rajouter cet exercice, c'est le 10, page 80. J'ai pas eu le temps d'écrire la suite des catégories, on va les faire ensuite avec vous. Donc vous voyez, ça prend du temps, hein, ne serait-ce que faire un exercice de chaque catégorie. Ça fait déjà 40 minutes qu'on y est, là, je crois. Donc c'est ça. Donc vous voyez, ça prend du temps de faire ce travail. Oui, c'est ça, hein, le cornet, à mon avis, c'est plus quand il y a une histoire de bras, quand on commence un peu jeune, etc. Mais sinon, moi, je suis pas opposé à commencer à la trompette directement, hein. Il y a même les anciens, il y en a qui faisaient démarrer à trompette en luth carrément. Alors là, après derrière, t'as la gueule. Hein. Alors, triolet chromatique, on va pas aller beaucoup plus vite. Oui, c'est le même poids. Voilà, évidemment, là on fait les premiers exercices, et puis plus ça va aller, plus ça va se compliquer. Parfois, peut-être qu'il faudra que je les travaille et que je m'y reprenne à plusieurs fois, hein, en fonction de l'exercice. Et n'hésitez pas à faire de même chez vous. Si c'est pas passé bien, évidemment, ce sera sur YouTube. Ouais, absolument pour le brass, et j'adore ça. Et j'espère qu'on sera vite déconfiné pour. C'est marrant, c'est le chapitre triolet chromatique, puis après, c'est plus des triolets, mais c'est toujours dans le triolet chromatique. J'espère que je pourrai retrouver mon cher Brass Band de Toulouse, puisque je joue au BBT depuis 2 ans. Ouais, le cornet est plus facile au niveau de la prise en main. Ensuite, étude sur les notes d'agrément. Gruppetto. Les 23 premières études de la partie suivante sont uniquement composées dans le but de préparer. Ouais, c'est pas gagné, hein. De préparer l'élève à l'exécution du gruppetto, lequel consiste, comme on le sait, à l'entourer d'appoggiatures une note quelconque d'un accord. Ces études doivent s'exécuter lentement afin d'habituer les lèvres et les doigts à marcher avec un parfait ensemble. Il faut pour cela donner autant de valeur aux appoggiatures inférieures ou supérieures qu'à la note qui leur sert de pivot. Il y a deux styles de gruppetto. Voilà, bon. Les notes de petit groupe, donc là il explique un peu. Je vais pas tout lire, c'est un peu long. Étude préparatoire. Eh ben, on va faire le 1 page 91. Là, ça va être un peu plus long. Hop, je vous recentre ça. Donc, étude préparatoire du gruppetto. Hop. Donc, on a dit 1 page 91. On note tout, hein, il n'y a pas de triche comme ça. Là, on rentre dans le vif du sujet. Thank you.
Donc deux choses, évidemment, on fait ressortir la note qui a un point, et puis on a une fâcheuse habitude, et je me fais avoir moi-même à faire une ronde à la fin, c'est juste une blanche, donc je vais essayer de faire attention à ça. Alors, Marie d'or, c'est ce que je reproche souvent en méthode, tu passes de Do majeur à Sol bémol, de Do à 5. Ouais, bah là, il monte. On est à mi bémol, on va aller à mi mécart. Là, il monte par demi-ton. Je fais tout l'exercice puisqu'il est numéroté comme un exercice. J'essaie de suivre la logique un peu, de suivre une logique en tout cas. Voilà, donc on va terminer celui-là. Évidemment, si vous ne le maîtrisez pas, après, c'est à retravailler, hein, je répète. Déjà, un, c'est pas un exemple irréprochable que je fais, moi-même je le retravaille. Si je vois qu'il y a des trucs qui passent pas, bah, je vais refaire. Et puis voilà, donc c'est une exploration ensemble. Et puis après, vous pouvez utiliser les replays ou simplement travailler à votre méthode Arban vous-même pour vous dire, tiens, cet exercice-là, il y a tel passage qui m'embête plus, je vais le retravailler un peu en détail. Ce genre d'exercice est effectivement construit progressivement sur la tessiture et non sur la tonalité. Exactement. Après, il faut tout faire. Hein. Il faut. Souvent, même en tant que prof, hein, je m'inclus, on s'auto-censure et on se dit, bon, allez, je vais lui faire jouer avec un petit, avec deux dièses ou deux bémols, on va pas y aller trop vite. Pff, les enfants, on peut commencer par fa dièse majeur comme la première gamme qu'on leur apprend et en fait, ils vont considérer que c'est normal puisqu'ils connaissent aucune gamme au départ. Donc, c'est juste une histoire de combinaison de doigté. Il y a sept combinaisons possibles à la trompette. Donc c'est pas ultra dur non plus au niveau des doigts, mais c'est dur pour la lecture.
Voilà, mais il faut tout travailler, il faut se contraindre à tout travailler et c'est l'avantage de ces exercices un peu systématiques là. Vous voyez, même la double barre à la fin laisse penser qu'il aurait fallu enchaîner toute cette page. Et auquel cas, c'est un peu rêvasse, hein, d'enchaîner la page. Bon, ça, c'est les exercices préparatoires au Gruppetto. Il y en a pas mal, il y en a plein qu'on ne fait jamais, jamais, jamais. Ceux-là, ils sont très connus. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, il y a des exercices, franchement, je ne les ai jamais faits. Celui-là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il y en a plein qu'on ne fait pas, c'est fascinant. Arturo, c'est une bête à part, oui. Alors ça, c'est pareil, ouais. C'est des gens hors catégorie, clairement. Alors, on va rester à 120. Il commence à faire très sombre, hein, donc désolé, le temps est orageux. C'est la fin de journée. J'espère que vous me voyez encore un peu. Enfin, à la rigueur, on s'en fout. Il suffit de voir la partition. Alors, voilà, premier exercice du Gruppetto. Faut pas que j'oublie de l'écrire. On est aux 24 pages 80. 19. Ouais, une autre galaxie, absolument. 80. Non, 24, page 99. Donc c'est du Gruppetto. 24, page 99. Alien Vizzuti, comme dit Fabien. Donc si vous ne savez pas lire le signe de Gruppetto, qui est moins utilisé chez les cuivres que chez les cordes, eh bien vous avez la traduction en dessous, en fait, tout simplement. Voilà. Pareil, j'essaye, comme il demande, d'avoir un son le plus homogène possible sur les Gruppetto, qu'il n'y ait pas de ghost note. À Lyon, il fait sombre, et je sens qu'on va se retaper un orage là. 3 sébacs depuis toujours. Quel embouchure. 3 sébacs, et voilà. Moi, j'ai joué ça à un moment donné, et puis là, je suis heureux, enfin, elle est décoincée, j'ai refait de la hutte tout à l'heure avec, quel bonheur. Un demi sébac artisan, il n'y a que ça qui me va. Et Clément Saunier, il fait jouer ça à tous ses élèves aussi. Bon, ils sont reconnaissables, c'est trompette Yamaha argentée, embouchure un demi sébac, 3 sébac artisans, je crois qu'ils font. Mais, ouais, moi je suis un grand fan de cette embouchure, je l'aime beaucoup. Je suis à l'aise et je fais à peu près ce que je veux avec. De la double appoggiature, 36 pages 104. Ça aussi, c'est des exercices un peu désuets qu'on ne travaille jamais. Comment on écrit appoggiature? Je ne sais plus où sont les P et les G. 2P, 2G. Ok. Appoggiatura. Donc, 36, page 104. Ch'tac. 5C! Faux! Pas commun. Pas commun, 5C. Allez, c'est parti. Donc, andante. C'est ça, ouais. C'est comme les chaussures, faut essayer. Puis même, comme les chaussures, au début ça va, puis après on se prend des ampoules. Dès qu'on change, on a l'impression toujours que c'est fantastique. Et puis il faut un petit temps de recul pour vérifier
Et puis, je vais peut-être pas tout terminer aujourd'hui parce que mon chien commence à s'impatienter. Je l'ai pas sorti depuis 5, 7 heures du matin. Ça fait 25 ans que j'essaye. Ah, moi, j'ai beaucoup essayé. Maintenant, pour l'instant, j'essaye d'arrêter de bouger parce qu'on peut vite se perdre aussi à changer tous les 4 matins. Mais je sais que Fabien n'a pas le même point de vue là-dessus. Allez, on va y aller tranquille. 60 à la noire pointée. J'ai jamais fait ce truc-là non plus. Donc en tout cas, Brême Expérience, tu portes bien ton pseudo, alors si ça fait 25 ans, c'est-à-dire que tu joues de la trompette depuis plus longtemps que moi. Ouais, mon pauvre toutou, là, avec le confinement, c'est pas rigolo. Mon professeur de musique, il m'a conseillé d'essayer un chouïa plus petit, et pour l'instant, ça me sert bien, bah écoute. C'est joli, hein, ces doubles appoggiatures, je connaissais pas. Alors à noter deux choses, quand on fait des appoggiatures au 19e siècle, ça se met avant le temps, donc il y a toté. Donc vous voyez, le temps tombe sur la noire, et en fait ça ne modifie pas le rythme, donc vous jouez le rythme tel qu'il est écrit. Et vous rajoutez les petites notes avant. Voilà. T'as 45 ans, t'as commencé vers 13 ans. En fait, ah oui, donc ça fait pas très longtemps que tu t'amuses à changer d'embouchure. Mais ça fait très longtemps que tu fais de la trompette. Et moi, ouais, ça fait 19 ans seulement que je fais de la trompette, voilà. Autodidacte, d'accord, super. Et tu prends des cours où alors? Dans le nord aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup de nordistes grâce à Fabien, qui vit là-haut dans le Schnorr, à Tourcoing. Alors ensuite, appoggiature simple. Alors pareil, des trucs que j'ai jamais fait. 44 pages 106. 44 pages 106. On va l'écrire. Vous voyez, je vais rien m'épargner, hein. On va tout faire, tout faire. Là, pas de triche. Au Québec! Génial! Non, mais je connais comment il s'appelle. J'ai un pote là-bas qui est professeur. Et évidemment, maintenant que je te dis ça, je trouve plus son nom. Mais c'est vrai, tu m'avais dit que tu étais au Québec. J'avais fait une communication à l'université Laval à Québec. Très beau pays. J'ai mon frère qui habite chez vous en ce moment. À Sherbrooke, et qui va aller à Montréal là, bientôt. Frédéric Quinet, exactement. Merci. Ah là là. Voilà, que j'avais rencontré justement quand je suis allé faire cette communication. À l'époque, c'était justement sur les réseaux sociaux et l'apprentissage, puisque j'avais un groupe Facebook pour ma classe. Et puis maintenant, on a même un Discord pour ma classe. Donc vous voyez, c'est toujours d'actualité finalement. Allez, l'appoggiatura. Ah bah, tu lui passes le bonjour de ma part alors. Très sympa, ouais. Super sympa. Alors, andante avec esprit. On va faire un petit 80. Ça a l'air joli, je ne connais pas du tout. Je connais un trompettiste qui s'appelle Michel Lambert qui a écrit une méthode d'apprentissage pour la trompette. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça aussi, ouais. Allez, c'est parti. Concentré.
très beau ce qui est écrit, mais je l'ai pas bien joué. Je l'ai pas bien joué, donc je vais réécrire à refaire, parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra sur cet exercice-là, puis quand on aura fini toutes les catégories, tac, on repassera au début. Voilà, on va y aller tranquillement dans cette exploration de la grande méthode complète de cornet à piston de Jean-Baptiste Arban. En fait, c'est l'école qui est à côté de chez moi, mes filles apprennent le piano. Alors j'ai décidé de prendre des cours aussi, un ancien couvent, waouh, quand même, vous avez beaucoup d'anciennes églises déconsacrées au Québec. Auparavant très axée sur la musique classique, maintenant ouverte sur le monde. Les doubles et triples coups de langue, c'est pour quand? Bah écoute, quand on fera la suite, donc ce défi Arban, ce sera pas tous les soirs, ce sera toujours en fin de journée, comme ça, vers 17h, 18h, en fonction de combien de cours j'ai à donner dans la journée, parce que je donne pas mal de cours là, avec le confinement par internet. Voilà, donc mon état d'énergie, je veux pas mettre trop de pression là-dessus, donc c'est pas comme les streams, ce sera quand j'aurai le temps. Vous serez prévenu sur Facebook, donc suivez ma page Facebook, ou si vous suivez la chaîne ici avec le petit cœur, et ben vous aurez une notification en fin de journée, d'accord ? Ça fait du bien, ben merci Marie-Dore. Les replays, je les mets demain matin sur YouTube, et puis on va faire ça tranquillement, de toute façon, voilà, nous on est confinés encore pendant longtemps, puisque c'est au moins jusqu'au 11, et puis même les cours de trompette, je suis vraiment pas persuadé qu'on nous fasse revenir le 11 au conservatoire. Donc, on va prendre notre temps, et puis même si c'est après le confinement et qu'on peut revenir dans la nature et que tout va bien, on continuera. Moi, je veux faire absolument toute cette méthode Arban, donc c'est un défi personnel. Et puis, je vois que ça vous plaît, puisque vous êtes nombreux à être venus, donc merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi, et on se retrouve demain 11h pour le stream de la trompette. À demain !